missiles Fadia. Au moment où les missiles du Hezbollah ont traversé le ciel de la ville de Chafa Omar, en direction des environs de Haïfa, Israël a tenté d'intercepter les missiles. Scène montrant le dôme de fer tentant d'intercepter des missiles, lancés depuis le Liban dans le ciel de la ville de Haïfa et des zones de Galilée, selon l'armée israélienne. La résistance islamique au Liban a ciblé un certain nombre de Kiria, un mot hébreu signifiant village, au nord de la ville de Haïfa, avec des volées de missiles Fadia. La déclaration du Hezbollah a confirmé que cette opération intervient en réponse aux attaques israéliennes contre des villes, des villages et des civils au Liban. L'armée israélienne a rapporté qu'au moins 10 roquettes avaient été tirées depuis le Liban sur le centre de la Galilée et de Haïfa. Des sirènes ont retenti dans la région ainsi que dans la colonie de Kiria Atta, située au nord-est de Haïfa, où un incendie s'est déclaré suite à des roquettes lancées depuis le Liban. Il convient de noter que la résistance islamique au Liban a ciblé la colonie israélienne de Kafr Giladi avec un missile Nour. Ce qui est en fait la première fois que le Hezbollah annonce son utilisation de ce type de missile, depuis le 8 octobre dernier. Ah.